Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me découvrent et me rejoignent. Et je suis ravi de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020 au sujet d'un nouvel avion qui est sorti sur le simulateur récemment. Il s'agit de l'ATR, donc sous plusieurs versions. Il y a l'ATR 42 et l'ATR 72-600. Et l'objectif de cette vidéo est déjà de vous présenter comment se procurer cet avion, comment le récupérer, ensuite comment l'installer, et nous ferons un test ensemble, comme j'ai l'habitude de vous proposer sur le tarmac concrètement, ainsi qu'un démarrage en Golden Dark. Donc il y aura plusieurs parties. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. Comme toujours, je tiens à vous remercier profondément pour votre précieux soutien depuis le début de l'aventure, et ainsi que vos encouragements et vos commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous en ressentez la nécessité, et je me ferai un plaisir de vous répondre comme à chaque fois. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pour vous parler de cet avion un peu plus précisément et dans les détails, donc l'ATR 72 est un avion de transport de passagers qui est donc turbopropulseur, et cet avion peut contenir jusqu'à 80, enfin 78 passagers à bord. C'est un avion qui est conçu principalement pour le transport régional, donc à la fois sur des courtes et moyennes distances, court, moyen, courrier, donc ce qui fait de lui quand même un avion gros porteur. Donc c'est quand même un avion qui est intéressant, qui est orienté study level, donc qui est quand même bien poussé au niveau des systèmes et du pilotage. Et là, on verra ensemble comment ça se présente sur le tarmac. Donc dans l'ordre, pour vous procurer cet avion, rien de plus simple. Vous ouvrez le simulateur et vous allez ensuite vous diriger dans la boutique. Et on va se rendre ici sur la partie, la catégorie avion. Donc moi, je me suis déjà procuré cet avion. Alors je voulais vous préciser aussi que c'est un avion qui est payant. Donc vous allez ici, dans la barre de recherche, taper ATR pour aller plus vite. Moi, il apparaît à la fin parce que je me suis déjà procuré cet avion. Effectivement, si ça n'a pas été encore fait de votre côté, il apparaîtra en premier. Parce que c'est un avion quand même en vedette, puisqu'il est relativement bien noté, 4,4 sur 5, précisément, avec 882 avis. Et vous voyez qu'en cliquant dessus, ça vous amène sur la page principale. Donc ça indique effectivement qu'il y a deux catégories, l'ATR 42-600 et le 72-600, qui sont à peu près similaires. Vous avez donc plusieurs livrets qui sont incorporés avec cet avion, qui sont intégrés, notamment l'ATR House Livery, Saint-Pierre, Silver Airways. Moi, je me suis procuré deux livrets supplémentaires sur Flight Sim 2, qui sont la livrée Air Caraïbes et la livrée Hop de Air France. Ça nous indique que cet avion est bel et bien compatible sur Xbox et également pour PC, pour les deux plateformes. Et ça vous donne tout un descriptif complet, avec plusieurs photos pour vous rendre une idée globale de cet appareil, qui est, je le rappelle, quand même bien fait, complet. Et vous avez donc plusieurs livrées qui y sont incorporées et intégrées d'ores et déjà. Voilà, donc vous avez juste à ici vous le procurer, donc l'acheter, et normalement quand vous avez à faire la manip ici, c'est acheter et télécharger, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous pouvez y accéder directement ici depuis la boutique. Une fois que c'est fait, accédez au gestionnaire de contenu, et il apparaît automatiquement ici dans le gestionnaire de contenu, en sachant que ça fait voilà, 1,93 Go, donc ce qui est quand même, ça pèse son poids, effectivement, pour un avion tel que celui-ci. À savoir que moi je l'ai eu, donc il était avec une promotion logiquement sur la boutique de FS 2020, aux alentours d'une dizaine d'euros ou une douzaine d'euros, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il y a une promo dessus. Donc n'hésitez pas à en profiter si cela vous est possible. Et donc, bien vérifier que l'avion est installé, que vous n'avez plus de mise à jour disponible, comme toujours, et que tout est bien coché. Voilà. Ensuite, on va faire un essai. On va se rendre directement. Donc, vous voyez, rien de plus simple hein, pour installer l'avion et ensuite pouvoir l'utiliser. Ça se fait automatiquement via le simulateur. Donc, je vais utiliser ici donc sélection de l'avion. Vous voyez que c'est dans les avions turbopropulseurs. J'ai ici le 42-600. Alors, d'ailleurs, j'ai bien le 72 ici. Hop, voilà, il apparaît en avion de ligne. Ok, donc il y a le turbopropulseur, pardon, 42-600. Et il y a l'avion de ligne qui apparaît avec le 72-600. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser.
C'est d'ailleurs pour celui-ci que j'ai pris la livrée Air Caraïbes et hop. Donc on va prendre celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre ici, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, où d'ailleurs je vais peut-être prendre. C'est Fort-de-France que je voulais prendre d'ailleurs, initialement. Donc je vais rester sur ce que je me suis fixé. Et on va se mettre. Bon, peu importe. De toute façon, là, l'objectif c'est un test. Vue intérieure, extérieure et démarrage cold and dark pour cette vidéo. Pour pas que ce soit trop dense. Temps réel toujours. Et c'est parti. Donc j'ai bien sélectionné ma livrée, l'avion, l'aire de stationnement. Ok, alors voici sur le tarmac. Vous voyez que ça va très vite hein, parce que c'est un avion qui est moins long à charger hein, dans les menus. Il est moins conséquent que le PMDG 737, l'Airbus de Phoenix, vu qu'il est moins élaboré en matière de système et puis il est plus petit. Donc en fait, quand on se retrouve sur le tarmac, voilà comment ça se présente. Il y a dans le cockpit. Donc on va faire juste dans l'ordre une vue extérieure pour commencer et ensuite on s'occupera de l'intérieur avec le démarrage. Comme ça sera plus cohérent et plus logique pour la suite. Voilà l'avion lui-même. FPS très performant puisqu'il n'y a pas beaucoup de détails autour. On est sur un aéroport qui est moins dense que Orly ou Charles de Gaulle ou Nice par exemple. Là, il y a beaucoup de verdure autour. Donc les FPS sont quand même beaucoup moins affectés qu'un gros porteur, un 737 ou un 320. Et on peut se rendre compte que graphiquement parlant, c'est super joli. Alors, moi, j'avais pas l'habitude d'utiliser des ATR hein, par le passé, à part peut-être sur X-Plane ou autre, mais ça fait bien longtemps que j'en ai pas utilisé. Et là, pour le coup, si on pousse le zoom un peu plus loin, c'est vraiment bien foutu. Je trouve que graphiquement, alors après, c'est mon avis, hein, chacun est libre d'avoir son opinion, mais là, pour le coup, c'est quand même très bien fait. Bon, la livrée en elle-même est superbe aussi, et au niveau du fuselage, la carlingue, tout y est. Enfin, vraiment, j'ai pas grand-chose à dire. Les ailes, hein, les ailes hautes, typiques de l'ATR. Vraiment, avec les matriculations ici juste en dessous. Donc, franchement, les effets de lumière et tout sont top. L'empennage horizontal aussi, vertical, avec la gouverne de direction. Franchement, superbe. Vous voyez que si on zoome, on a vraiment les petits détails au millimètre près. Bon, voilà. Et les hélices, vraiment superbes. Rien à dire, c'est top. On se retrouve dans le cockpit. Alors moi j'ai mis des vues personnalisées toujours, donc vous avez juste à modifier les valeurs par défaut du fichier caméra.cfg qui se situe dans le dossier community de l'avion. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Bureau, hop, et en fait les livrées sont là. Et d'ailleurs, c'est dans le. Vu que c'est un. Donc là, oui, dans le fichier, dans le dossier community, vous avez juste les livrées. Ensuite, le dossier de l'avion, il se situe dans le dossier official. Official. Et c'est là que vous avez en fait le dossier caméra.cfg, donc dans le dossier de l'ATR 42 et 72 600. Donc bien différencier les deux. Et le cockpit en lui-même. Donc j'ai fait des vues personnalisées. Voilà, de part et d'autre. Ça nous permet de voir également la cabine parce que quand vous ne modifiez pardon, pas les valeurs du fichier caméra.cfg, d'ailleurs si, parce qu'en fait voilà, si vous pouvez ouvrir les portes. Donc vous n'êtes pas coincé dans le cockpit, même si vous n'avez pas modifié les valeurs du fichier caméra.cfg. Donc en fait vous pouvez vous balader librement, sauf que voilà, vous ne pouvez pas sortir de l'avion. Vous voyez, là je suis au max, je ne peux pas aller plus loin. Donc ça vous fait sauvegarder des vues. Hublot, donc réaliste, de type passager, là où vous le souhaitez. Voilà donc la cabine, pour en revenir à la cabine. C'est un petit avion, environ 78 passagers, plus de 70 passagers. Voilà, avec le téléphone, le siège ici pour steward et hôtesse. Les rangées, deux sièges de chaque côté, rien à dire.
Voilà, c'est graphiquement parlant, ça fait le boulot, c'est ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut, tout ce qu'il faut à bord. Donc rien à dire, effectivement, l'intérieur avec les sièges passagers est top. On va se rediriger dans le cockpit avec les portes, on va faire ça bien. Hop, on va fermer derrière nous. Hop là. Et voilà. Comme si on avait fait un tour du propriétaire. Et on se remet dans le cockpit. Voilà, la vue personnalisée. Donc le cockpit en lui-même, donc une tablette en bonne et due forme qui est d'ores et déjà démarrée avant même que l'avion soit actif, si je puis dire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quand même un système qui est relativement poussé et avancé en matière de... Enfin, tablette à bord, voilà, payload, performance, aircraft, maintenance, options. On verra tout ça après, hein, dans les détails. Et également, le cockpit, toujours l'FPS satisfaisant. Pas de tablette du côté officier pilote de ligne. Un pédestal avec une manette des gaz bien, bien ficelée. Ça, c'est pour les moteurs, on verra ça plus tard. Deux ordinateurs de bord qui seront opérationnels, on le verra ensemble. Le yoke qui présente très bien. Voilà, on peut le cacher. Hein. On peut le cliquer à la base ou non. Ça dépend si vous voulez vraiment avoir un visuel sur les instruments de bord. Vous voyez que ça peut être pas mal aussi parfois de le cacher. Tout ce qui concerne le pilote automatique ici. Voilà, navigation, heading, approche, stand-by, altitude, VINAV, etc. Il y a un système qui est vraiment bien au niveau de la navigation latérale et verticale. Et l'overhead. Bien complet, tous les boutons sont fonctionnels, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Voilà, tout y est. Franchement, donc rien à dire sur l'intérieur, rien à dire sur l'extérieur. C'est vraiment un avion qui est bien fait, encore une fois, je le redis. Et ça tient toutes ses promesses. Vraiment pour quelques euros. Alors j'espère que la promotion est toujours active, ça je me suis pas renseigné. Mais effectivement, ça vaut le coup pour changer du 737 et d'autres avions. Là, on est vraiment sur quelque chose de bien, de sympa et d'agréable. Ah, les reflets y sont. C'est top, rien à dire. Même là, au niveau du côté gauche, on peut basculer la petite vitre. L'oxygène ici. Bon, je vais pas regarder en détail, mais bon, on a accès à pas mal de boutons. Alors, on va à présent se pencher sur la tablette pour les détails de la tablette avant de démarrer l'avion et de faire le cold land arc. Donc la tablette, ça vous met sur la masse et centrage en premier, donc le payload, ce qui va être rempli en fait automatiquement une fois que vous aurez démarré l'avion. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est remplir un simbrief comme si on y était. Donc là, on va faire Fort de France Pointe-à-Pitre par exemple. On va aller sur l'ATR. D'ailleurs, non, il est plus haut. ATR. Voilà, ATR 72. Vous voyez qu'on a les deux. On a le 42-600 et le 72-600. Donc c'est génial avec SIMRIF. On sélectionne celui-ci. Voilà, donc on a un plan de vol nickel qui est adapté pour l'ATR 72. Vous voyez que c'est une distance qui est relativement courte, en sachant que l'ATR 72, enfin l'ATR 42-72 ont des distances franchissables, en tout cas des puissances moteurs qui sont beaucoup moins élevées que le 737 ou le 320 évidemment. Et là du coup on est vraiment sur une distance typique qu'on peut faire avec l'ATR. Donc je vais générer le plan de vol, comme si on allait le faire en complet. Parfait. Et on a le plan de vol qui est ici et qu'on rentrera directement dans l'ordinateur de bord. Donc pour revenir à la tablette, le payload, les performances ici avec les vitesses de décollage, V1, vitesse de rotation, V2. Pour l'atterrissage, voyez, donc là c'est décollage en premier, atterrissage ensuite. Donc si on a des inverseurs de l'inversion de poussée à l'atterrissage, également si la piste à l'atterrissage est sèche, mouillée, enneigé, enfin s'il y a du verglas, s'il y a de l'eau, etc. Et donc là, avec les distances requises, notamment la longueur de la piste, l'arrivée, donc à l'arrivée, la longueur de piste également, voilà.
L'avion lui-même, donc ça c'est tous les services au sol qu'on peut avoir, en sachant que vous pouvez programmer d'ores et déjà le statut que vous voulez appliquer pour l'avion, si vous voulez avoir du cold and dark, si vous voulez qu'il soit en mode batterie, enfin alimentation externe, hôtel mode, ready for taxi. Bon, il y a plusieurs modes, moi j'ai pas touché à ça pour être tout à fait franc. Ensuite vous pouvez ajouter les portes cargo pour les ouvrir, la porte principale, les services avec la restauration qui viennent pour le chargement. Là, on a déjà, les cales pour les roues. On va laisser comme ça, puisque en ayant les cales pour les roues, on va pouvoir activer l'alimentation externe et ce qu'il va nous falloir pour démarrer l'avion. Donc, c'est ce qu'on va faire ensuite. Pour la maintenance, protection donc anti-incendie, matériel anti-incendie, extincteur, bouteille, etc. La température des freins, donc on peut réinitialiser, voilà. Et le renfort en oxygène. On a plusieurs choses qui sont vraiment bien faites. Les options. L'unité de altimétrique. Donc, on voit que c'est bien en hectopascal par défaut, c'est pas en pouces de mercure. De toute façon, ici, là, aux Antilles, on va être en hectopascal. Enfin, aux États-Unis, on sera en pouces de mercure. C'est synchronisé. On a également la température en degrés Celsius et non en Fahrenheit. Kilogramme pour l'unité de masse, pardon. Pour la déconnexion de la sensibilité de l'autopilote, on est sur faible par défaut. Et le mode avionique, on est sur EASA par défaut. PD Throttle Hint, ça je ne sais pas ce que c'est, j'ai laissé par défaut. Et donc la Toes Resolution 100%, j'ai mis à 100%. Alors je ne sais plus du tout ce que c'est, mais pour être tout à fait franc, je l'ai mise comme ça. Bon, ça n'a plus eu d'incidence sur mes vols en tout cas. Et là, c'est pour paramétrer la manette des gaz. Donc moi, en fait, je possède un throttle Bravo Honeycomb. Donc j'ai eu quelques soucis pour paramétrer, pour être tout à fait franc avec vous, les reverse, notamment avec la partie idle. Donc d'ailleurs, je crois que par défaut, ici, c'est 100 reverse, sans inversion de poussée sur mon throttle. Je l'ai laissé comme ça. Par contre, j'ai bien deux axes sur mon throttle, donc effectivement bien validé, parce que j'ai deux axes indépendants. Et ensuite, j'ai laissé comme ça par défaut, et je crois que d'ailleurs sur quelques vidéos que j'ai vues sur YouTube notamment, et sur des forums, c'est bien ces valeurs-là qui y sont. Alors pour l'instant, j'ai juste un petit bug par rapport au reverse qui s'enclenche dès que je mets trop en idle, donc à zéro sur mon throttle. Ça m'a pas empêché de faire un vol, mais par la suite, si j'ai d'autres infos, je vous en ferai part. Mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché de voler. Donc toujours avoir des valeurs négatives hein, pour idle, parce que c'est la première valeur par défaut. Et ensuite, plus vous montez, plus ça évolue, effectivement. Donc la notch, la ramp. Donc ici, on va ici sur la manette des gaz. Donc là, vous avez un blocage de sécurité qui est pour la manette. Mais en fait, vous avez notch qui est ici et ramp qui est ici. De toute façon, vous avez en fait un manuel d'utilisation qui est disponible pour la manette des gaz. Et je crois que vous avez ça sur le forum de Flight Simulator 2020 et également dans le dossier de l'ATR72. Vous avez vraiment un manuel d'utilisation pour la manette des gaz. Après, encore une fois, tout dépend de la manette des gaz que vous utilisez. Si c'est le TCA Airbus ou alors une autre manette, je crois que c'est l'OTAS ou comme moi, là, une manette Boeing de type Bravo, Honeycomb. À chaque manette, sa spécificité. Donc ça peut changer. Donc le manuel n'est pas forcément viable ou utilisable selon la manette que vous utilisez. Bref, ça ce sera au fur et à mesure, je pense, des mises à jour qui seront à intervenir sur cet avion. En tout cas, ça n'empêche pas le vol. Donc ATR 72-600, c'est bien l'avion que j'ai. Ça vous donne ici accès au site de Flight Simulator, la batterie, la connexion 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth. Bon, on est bien équipé et on a bien 99% de batterie, ce qui est top. Voilà. Donc on va revenir sur Aircraft et on va pouvoir s'occuper du démarrage de l'avion. C'est parti. Alors, j'ai vraiment fait une vue personnalisée pour la tablette. Cale des roues qui sont mises. Nick, c'est bien ici. Il y a les petites cales noires et jaunes. Donc c'est bon. On va s'occuper de mettre tout de suite l'alimentation externe. L'alimentation sol. On va se diriger sur l'overhead et on va pouvoir directement ici allumer l'alimentation externe. Voilà, j'ai un petit peu confondu, navré.
l'alimentation au sol, le groupe sol, et l'alimentation externe. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une petite lampe qui est apparue. Et on va tout de suite ici allumer la batterie. Donc on va la mettre au centre, on va remettre la sécurité. Voilà, l'avion s'allume. Donc c'est un petit peu comme sur Airbus, en fait les boutons, donc vous avez une première rangée ici, au niveau de tout ce qui est carburant, une deuxième rangée ici, pour ce qui est électricité, hydraulique, et après air et pressurisation. Donc c'est un peu comme sur Airbus, tous les boutons que vous avez sur off, il faut les basculer sur on en fait, il ne faut plus que vous ayez le bouton off. Donc ici pour les pompes de carburant, on va laisser sur off pour l'instant puisque c'est un peu tôt pour démarrer les moteurs. On fera ça tout à l'heure. On va faire par rangée. Donc ici, on peut activer les générateurs, mais si pour l'instant c'est sur faute, c'est pas grave. La beacon, pas besoin qu'elle soit allumée parce que les moteurs sont éteints. Les pompes hydrauliques, on va les mettre sur on. Le windshield sur on. Également les générateurs, on peut les basculer comme ici hein, sur on, on verra plus tard. Le pitot, standby, captain et first officer, donc commandant de bord et officier pilote de ligne, standby, donc ça c'est bon. On va armer donc les lumières d'urgence. On peut passer les ceintures sur on et l'interdiction de fumer sur on. On n'a pas les petites dings en cabine, je pense qu'on les entend pas trop, c'est pas grave. L'oxygène main supply sur on et c'est bon pour l'instant. Donc là on a fait l'essentiel. Vous voyez que l'avion a démarré petit à petit. On désactive la caution. Petite particularité de cet avion, donc là je vais me régler sur la pression de l'aéroport. Donc 1017 hectopascal, 30 décimales 0,3 pouces de mercure. En fait, vous n'avez pas de molette pour zoomer ou dézoomer sur les écrans. Il n'y a pas de bouton à un côté qui vous permet d'ajuster l'échelle. En fait, pour le faire, vous avez à cliquer sur l'écran. Mais en fait, ça dépend où. Et ça, c'est un peu la subtilité. Si on clique, alors je crois que c'est en bas. Voilà, ça zoome si vous cliquez en bas. Si vous cliquez en haut, ça dézoome, vous voyez. Donc c'est un peu particulier, il ne faut pas se tromper. Et en fait, si vous cliquez ailleurs sur l'écran, je crois que ça met la page des moteurs, du carburant, enfin bref. Ça désorganise un peu le truc. Donc, il faut bien être vigilant là-dessus. Si jamais vous utilisez la radio et que vous voulez modifier les fréquences, vous avez à cliquer ici, sur la standby, et modifier sur l'ordinateur de bord de gauche. Non, ça ne le fait pas. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, j'utilise pas de radio sur cet avion pour l'instant. Ouais, c'est normal. Bon, j'ai pas encore la manip. Mais en tout cas, il faut cliquer sur l'écran ici pour les radios. Bref, c'est pas l'intérêt pour l'instant. Ensuite, là, on a également sur l'écran central une procédure, enfin en tout cas sur l'écran, ce qui vous permet d'avoir les checklists à bord. Ah, autant pour moi. Pour la radio, c'est ici, on clique, et c'est en bas. Voilà, ok, vous pouvez régler avec cet écran, avec ce mode-là. Escape, ok. Échappe, ok. Bon, c'est ici pour la radio, voilà, je me disais, c'était par là. Et donc, pour revenir sur l'écran central, vous avez, on va faire dans l'ordre, hein, de gauche à droite, un système qui vous permet de voir les checklists, qui vous permet de suivre, en bonne et due forme, le démarrage de l'avion avec les checklists. Idem que sur l'écran, sur le Navigation Display, il faut cliquer ici sur l'écran pour faire défiler la barre, l'encadré bleu, de haut en bas ou de bas en haut. Donc, je crois qu'au milieu de l'écran, c'est pour descendre, un peu plus haut pour monter, descendre encore. Et si vous voulez sélectionner, c'est plus bas, vraiment plus bas, à droite. Voilà, on peut cliquer ici, procédure completed. Voilà, on est sur la préparation cockpit finale. Parking brake check, etc. etc. L'altimètre, l'élévation de l'aéroport, navigation, etc. La quantité de fuel à bord, bref. On va voir ça ensuite, mais en tout cas, c'est pour les checklists.
Et ensuite sur ordinateur, sur les écrans à droite, donc côté officier pilote de ligne, la même chose avec le Flight Director qui est activé. Et on a bien les paramètres moteurs qui sont sur off pour l'instant, la température, effectivement l'avion chauffe puisqu'on a démarré la batterie, et on a l'alimentation externe qui fait foi. Donc on va se diriger tout de suite sur l'ordinateur de bord. Là c'est pour le radar terrain. On peut passer ici sur WX. Ici sur le pédestal, donc vous avez tous les boutons actifs pour la radio. Et ici, bon, je vais pas regarder encore de toute façon. Alors l'ordinateur de bord, c'est parti, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Il est démarré, c'est fait comme ça. Donc FMS 1, actif. On va l'initialiser comme d'hab, donc on va aller sur pause init. On va sélectionner ici la position du GPS, qu'on va rentrer ici sur la position initialisée, et on va tout de suite initialiser. Ça passe en vert. C'est bon. On va aller sur masse. On va se diriger sur SimBrief. On a bien aujourd'hui donc un zéro fuel weight de 18 925 kg. 18 925 kg. Parfait. Et le fuel on board, donc le block fuel, 1 613 kg à bord. 1 613 kg à bord. On a bien le gross weight qui se met automatiquement avec une réserve de 600 kg. On a notre take-off. Centre de gravité, center gravity, 26,9%, et une trim donc qui est une trim à cabrer, légèrement à cabrer, pardon, je vais y arriver, de 1 décimal 1. Ensuite, on a fait la masse, donc avec le carburant à bord. On va tout de suite aller sur le plan de vol, route. Donc, on part de TFFF jusqu'à TFFR avec le slash entre les deux, from to, parfait, execute, et ça nous met notre point de départ, point d'arrivée. Alors de mémoire, je crois que c'est la piste 10, donc en Martinique, oui, c'est bien la piste 10, et on a donc un point SID, Lidos, un Roméo. Donc c'est la piste 10. Ici, précédent suivant, donc voilà, Lidos 1 Roméo, c'est celui-ci. Execute, on a bien le point Lidos ici. Ensuite, on a un direct to Gonesse, ensuite direct to, ça doit être Pointe-à-Pitre, et donc ensuite la piste 12 à Pointe-à-Pitre. Donc on va ici sélectionner Lidos, le next waypoint, donc c'est Gone ou Gonesse, NES. On execute, on fait un next pour voir que le point est bien relié, c'est chose faite. Et PPR pour Pointe-à-Pitre. Execute en vert. Page suivante, et on voit que le PPR est bien mis. Ensuite, on connaît déjà notre piste d'arrivée à Pointe-à-Pitre. Donc c'est la 12. Et donc ce sera a priori une ILS-12 Zulu. Et on n'a pas de star hein, répertorié dans SimBrief. Vous voyez? Comme en fait, là sur le plan de vol, on arrive directement, c'est très court, mais on va se baser là-dessus, hein, comme si c'était le cas, et c'est le cas d'ailleurs. J'exécute. Next, on a bien un flight plan discontinuity, effectivement, parce qu'il n'y a pas de star. Clear, la ligne de discontinuité qu'on annule, et on exécute de nouveau. Voilà, on a notre plan de vol. Si on regarde ici sur la navigation display, on a bien ce qu'il faut. Et d'ailleurs, si on dézoome, donc c'est en haut, voilà, on a bien notre tracé, etc. On a tout ce qu'il faut. Parfait. Ensuite, alors, vous voyez que ça nous propose une page ensuite, une fois qu'on a fait le plan de vol. Speed altitude. Donc en fait, ça nous met la masse à droite en kilogrammes. On va mettre les altitudes ici. Next. 3 600 pieds pour l'ILS. Ok. On va retourner ensuite sur. On va aller sur perf, les performances. Donc on a bien ici notre vitesse numéro 1, vitesse de rotation, vitesse numéro 2, qui est actualisée. Ensuite, alors je crois que de mémoire c'est 9 000 pieds pour l'altitude de transition. Ensuite, on va aller sur. Donc au départ, hein.
de Martinique. Père Finite. Donc nous avons une altitude de croisière de 17 000 pieds. On met bien 17 000 ici sur Cruise Alt. Voilà, niveau de vol 170. Ensuite on va faire Next. Non, c'est pas ça. Donc on va aller sur Perf. Ah, c'est peut-être la Next. Voilà, Cruise. Ok, Max Cruise. Cruise Altitude. Alors est-ce qu'on peut mettre 17 ici? Ok. On l'a remis ici. Bon, faut peut-être le mettre deux fois. Ça, je m'en rappelais plus. Ok, là ensuite c'est pour l'approche. Donc on sera bien, on peut le remplir, on le connaît déjà. Ce sera 9000 pieds. Et ça, on pourra mettre à jour plus tard, comme si on faisait le vol en vrai. Pour la pression qui sera sur le terrain à Pointe-à-Pitre. Père Finite. Voilà, on a fait ce qu'il fallait parce qu'ensuite, ça nous repropose la masse. Donc c'est bon. Je vais cliquer sur Flight Plan. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Parfait. Donc là, si je fais VNAV, qu'est-ce que ça me dit? Non, rien de spécial. Message, bah non. Flight Plan, on l'a vu. Perf, c'est bon. Je pensais qu'il y aurait dans le flight... D'ailleurs, si vous avez un retour, je pensais que dans le plan de vol, il y aurait les altitudes, ici mentionnées selon les points. Donc j'espère que l'altitude Simbrief est bien la bonne par rapport au vol qui nous est donné. Parce que c'est un vol qui est relativement court, mais c'est un avion qui arrive relativement vite à atteindre son point de croisière. Donc je pense que ça devrait aller. Père Finite, 17 000 pieds, ok. Alternatif, 17 000, ok. Bon, écoutez, on va rester là-dessus, je pense que c'est bon de toute façon. Donc Flight Plan, parfait. Donc là, on a rempli l'ordinateur de bord. Le plan y est, tout est cohérent. Ici, bon, on avait poursuivi les checklists, donc le fuel on board, on l'a fait. Engine fuel used. Donc on a bien tout ce qu'il faut, on n'a pas d'alarme. Memo panel check, power management. Ici, c'est bien sûr take off. Donc TO. Parfait, procédure complète. On va descendre, donc bien cliquer au milieu et pas en haut, sinon ça remonte. Et avant, donc, la rotation des hélices. CDLS, donc ça doit être sur ON. FMS Takeoff Data, donc c'est bon. La trim 3 axes, c'est bon. Tail Prop, ah oui, alors attendez. Là, je crois qu'il faut faire quelque chose. Du coup, que j'aurais dû faire un peu plus tôt, mais ça revient au même, ça n'a pas d'incidence. Donc sur le Prop, Propeller Brake. On va l'activer, c'est bien sûr Ready ici. On va le mettre sur ON, Propeller Brake. Et on remet la sécurité. Là, je vais me rediriger sur ça. Tail prop, c'est bon. Les portes sont fermées. Les ceintures sont sur on. Et la beacon sur on. Parfait. Donc là, on va pouvoir démarrer les hélices. Donc, je pars du principe que là, mon altitude, c'est 17 000 pieds. Donc, on va mettre tout de suite 17 000 pieds. Donc, c'est le bouton de l'altitude ici. Il n'y a pas de bouton qui permet d'aller plus vite avec les unités. Donc vous voyez que c'est ici l'altitude en bleu au-dessus, en haut à droite du PFD. Donc je vais mettre 17 000. Voilà, 17 000 pieds. Pour le reste, tout est bon. Et la beacon est bien sûr on. Parfait, procédure complète. Donc là, ça me met fuel, fill, low. Je pense que c'est normal. Ça n'a pas d'incidence. Ça me met une procédure pour... voilà. Résoudre ça, mais bon, je pense pas que ça ait d'incidence non plus. Procédure normale, vous voyez, on peut aller au milieu, procédure normale. Et là, en fait, on en serait à before taxi. Mais en fait, on va démarrer les moteurs tout de suite, en partant du principe que on peut le faire. Bon, là, on n'est pas trop dans le sens. En plus, il n'y a pas de plugin pushback avec cet avion. Donc, en fait, il y a un pushback qui permettrait en fait d'utiliser avec les deux points le petit bonhomme qui est là, mais je ne pourrais pas orienter la direction de l'avion. Donc, ce qu'on va faire... Vous voyez que ça marche, hein, si je fais les deux points. Voilà, il m'aurait repoussé. Donc je vais le désactiver et je vais démarrer les moteurs. Et lors d'une prochaine vidéo, je vous montrerai comment décoller, comment,
comment faire la montée, ensuite la descente et l'atterrissage. Alors c'est parti pour le démarrage des moteurs sur la TR-72-600. Alors juste que je voulais revérifier entre temps, donc là on va mettre le compas ici pour avoir une indication du cap. Et ce que je voulais vérifier aussi, c'est par rapport à une checklist antérieure, notamment sur les perfs, ici. Et on va confirmer Confirm Takeoff Data. Voilà. C'est aussi ce que je voulais voir. Ensuite, le démarrage des moteurs. Donc c'est parti. Là, j'ai enlevé la sécurité de la manette des gaz. Sinon, on peut la remettre. Moi, je l'ai enlevée. On va se rediriger ici. Donc on a bien les beacons allumés, surtout. On a bien le propeller brake, ce qui va permettre en fait au moteur numéro 2, donc côté droit, de ne pas être en rotation tout de suite. C'est le moteur numéro 1 qui va être en rotation. Donc je vais tout de suite activer les pompes. Et c'est parti pour le moteur numéro 2. Je mets sur Start ANB. On. Les paramètres moteur, on va attendre que ce soit à peu près à 10% de NH. C'est parti. Donc le moteur va se lancer et se stabiliser. Voilà. La pression d'huile également. Dans le vert. Indicateur paramètre moteur dans le vert également. Ça se stabilise. 69. Voilà, bien là. Il y a bien le propeller brake qui fait son effet puisque le moteur ne démarre pas encore. Il n'est pas en rotation. Voilà, c'est stabilisé, les indicateurs ne bougent plus, les aiguilles ne bougent plus, donc on a bien une pression d'huile dans le vert, une température d'huile dans le vert, et les paramètres moteurs dans le vert, stabilisé à 69 décimales 6. On va faire pareil à présent pour le moteur numéro 1, tout de suite, donc on va se diriger à présent. Donc là, on a bien le moteur numéro 1, donc le bouton est sur Run, donc actif. On va se diriger sur Start A. On va ensuite pouvoir démarrer le moteur numéro 1. Idem. Ça démarre. 7, 8, 9, 10. C'est parti. J'injecte le fuel. Le moteur va se stabiliser également dans le vert. Au niveau de la pression d'huile, la température d'huile et les paramètres moteur dans le vert. Superbe, l'avion tremble, donc le moteur numéro 1 a démarré. Voilà, l'hélice tourne. Toujours pas le numéro 2. C'est normal, il y a le propeller brake, toujours. On va attendre que ça se stabilise, 69 décimales 5. Voilà, les paramètres sont corrects. Tout est dans le vert. On n'a pas d'alarme. Pas d'alarme non plus ici. Parfait. Le moteur numéro 1 est démarré. Donc à présent, vu que les moteurs sont démarrés, nous allons pouvoir stopper l'alimentation externe puisque les moteurs ont pris le dessus. Ce qui est normal. Et à présent, on va pouvoir... donc là, ça s'est arrêté ici au niveau du propeller brake. Donc je pensais que j'aurais besoin de le faire manuellement. Ce qui veut dire que l'hélice tourne. Ok, bon, ça s'est désactivé tout seul dès que j'ai retiré l'alimentation externe. Mais en fait, ce qu'il aurait peut-être fallu faire aussi, ça marche aussi, hein, je pense, c'est désactiver le propeller brake, le mettre sur off. Donc il serait passé sur Ready et ensuite désactiver l'alimentation externe. Enfin, l'alimentation externe, External Power, et également désactiver donc la cale des roues et l'alimentation sol. Voilà. Donc là c'est bon. Pas d'alarme, à part ceci, mais c'est normal. Parfait. Donc là ce que je peux faire, donc partant du principe que ça... C'est sur off, plus besoin, unlock, ok. Les hélices tombent toujours, donc c'est bon. Et idem pour l'engine start, qu'on peut passer sur
off. Voilà, des moteurs sont démarrés, hein, donc on peut le passer sur off. D'ailleurs, toujours regarder ici les paramètres. On est bien toujours dans le vert. Anti-icing, hein, hydraulique green, blue. Non, je pense que c'est bon. Donc là, on va continuer. Donc on a bien démarré les moteurs. Ici, au niveau des alimentations, les moteurs sont prioritaires, donc ça, c'est bon. Et maintenant, on part du principe qu'on a notre Before Taxi checklist à faire. Et ensuite, le tuto pourra s'arrêter là. Je pense qu'il y aura déjà pas mal d'informations. Et ce sera OK. Donc là, on a bien... Ici, donc vous voyez, c'est resté sur les paramètres moteurs. Mais je pense qu'en faisant la checklist, ça va changer d'écran. On va voir. Donc Before Taxi checklist. Donc FWS Recycle. Je crois qu'il y a une commande par rapport à ça. Je sais plus où c'est exactement. Il me semble qu'il y a une commande pour Recycle FWS. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a un bouton quelque part où c'est recycler. Non, c'est pas là. Bon, ok, partons du principe que c'est ok. De toute façon, je pense pas que ça change quoi que ce soit pour l'instant à ce niveau-là. Cockpit com match. CL1 and 2 auto. Anti-icing as required. Ok. TRU on and check. TRU. Ah, c'est peut-être ceci. Ok, je l'ai activé. Je pense que c'est normal, a priori. Bon, je pense que sinon l'avion aurait posé un souci. Anti-skid test. Anti-skid. Ok. Parking brake on. Ok. Flaps sur 15. NWS on. Procédure complete. Ok. Là, on va retourner sur les procédures normales. Tant pour moi. Ok, bon, là, il veut plus... Ah oui, c'est là pour revenir en arrière. Ok. Vous voyez, c'est un petit peu particulier hein, quand même. On va retourner sur procédure normale. Comme si on était sur la procédure de taxi. Ok. Et là, pour revenir sur le navigation display, et ce qui est au milieu, c'est pas ça. Donc, c'est peut-être en bas, à droite. Ah, vous voyez, c'est déjà un peu mieux. Ok. Vous voyez, c'est un petit peu au hasard quand même. Mais ça semble bon. Donc là, c'est bon. Take off config test. Ok. Reset. Ok, non mais c'est bon. Là j'ai quand même des indications à gauche, donc je sais pas pourquoi. Hydraulique green low. Voilà, peut-être un truc à faire en complément, mais je ne vois pas. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, bon, de toute façon je pense que ça ne gêne pas le vol, c'est revenir en arrière ici et les procédures que vous avez en suspens, donc pending. Ah oui, ici ça met ensuite tout ce qu'il y a à faire pour que la procédure soit respectée. Bref. Ok, bon. Ça n'empêche pas. De toute façon, après on peut retourner sur les procédures normales ici. Normal et taxi. Ok. Voilà. Bon, c'est un petit peu particulier comme avion, je vous le cache pas. Mais ceci dit, ça reste quand même pas mal, c'est pour s'entraîner. Moi, ça doit être peut-être le deuxième ou troisième vol que je fais avec ça, avec cet avion. Donc effectivement, il a encore un peu à prendre en main, mais je pense que là, le tuto que vous avez, ça vous permet quand même de le démarrer, d'avoir quelque chose de bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Si vous avez des suggestions également, n'hésitez pas, je suis toujours preneur. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours une fois que vous l'avez testé. Je pense que ça vaut le coup et ça a tout le mérite de pouvoir être un bel avion, effectivement. Encore une fois, graphiquement et même au niveau des systèmes, on voit que c'est quand même poussé. Il y a quand même des procédures à suivre, des checklists et tout. Bon, même si moi j'ai pas trop suivi, ah, autant pour moi. Vous voyez, ça me revient juste après. Voilà, je me disais bien que j'avais oublié de faire un truc. On les passe en auto ici. Voilà. Là c'est bon. Ok, il fallait juste que je passe ça en auto. Et là ça se met bien sur on le TRU. Ok, autant pour moi. Et toutes les alarmes sont parties. Bon, vous voyez, je savais bien que j'ai oublié de faire quelque chose. Donc passez bien les injecteurs de carburant sur auto, ici. D'ailleurs c'était dans les checklists. Vous voyez, je l'ai survolé sans faire exprès. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous le souhaitez, j'en serais ravi. N'hésitez pas à me faire également part de vos opinions, votre opinion concernant cet avion. Je serais ravi de les avoir. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, en tout cas sur la continuité des tutos de cet avion. Roulage, décollage, montée, croisière, descente, atterrissage. A priori, ce serait un atterrissage en manuel comme j'aime faire en général. On verra comment se comporte l'avion, etc. Donc d'ici là, portez-vous bien. Faites-moi vos retours également si vous souhaitez vraiment avoir la suite des tutos sur cet avion, ce que, enfin, je pense que oui. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt tout le monde. Ciao!